C'est une véritable mission de pacification que vient d'effectuer la délégation interministérielle du gouvernement de la RDC à Nyamilima, dans le groupement de Binza, en territoire de Rutshuru. Conduite par Salomon Banamwere, ministre d'État chargé de la décentralisation, cette délégation qui est arrivée ce mercredi à Goma a apporté aux populations de Nyamilima le message de paix du chef de l'État Joseph Kabila, très engagé à asseoir une paix durable sur l'ensemble de la République. Dans cette délégation, on a noté la présence du ministre du Développement Rural, Eugène Serofouli, celui du Tourisme, Moutiri Wabachara, et le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku Kaongia. Dans un meeting très attendu, le ministre d'État Banamwere a invité ses habitants à la cohabitation pacifique, à lutter pour cimenter la paix, à bannir la haine, pour entrevoir le développement de cette contrée. Raïs Wetu Joseph Kabila, à la peine à Nord-Kivu, à recevoir le tout à Bembeniake, il vit Touéze, comme ça dit, à Congo d'Aïndi, à Zahiri, pourquoi Masikio Yake, au membre de l'Otiana Pita, Nord-Kivu. Ici, le ministre Eugène Serofouli et le gouverneur Julien Paluku Kaongia ont prêché par l'exemple en s'engageant que cette paix reste leur priorité. Signe de cet accolade de l'année qui scelle désormais la cohabitation pacifique qui manque aux populations de Nyamilima. Et pour encourager la jeunesse de Nyamilima à se désolidariser avec les forces négatives, le gouverneur du Nord-Kivu, Asias Tenante, a annoncé deux projets qui verront le jour à Nyamilima. Il s'agit de la construction de l'ISDR Nyamilima, qui a bénéficié déjà d'un acompte de 70 000 $ américains pour le début de ses travaux, et la construction du pont Live à Kisharo, pour récolter le problème des populations à temps réel et résorber les déchirements entre les communautés. Deux fonctionnaires délégués ont été nommés séance tenante par le gouvernement du Nord-Kivu.